Les Égyptiens sont un peuple à part aux yeux des Romains, un peuple original. D'ailleurs ils ne savent pas exactement les situer, à la limite entre l'Asie et l'Afrique. Les Romains s'étonnent aussi que les Égyptiens construisent des maisons somptueuses pour leurs morts, et qu'ils pratiquent une sorte de médecine spéciale, comme pour les soigner. Enfin, à la plus grande surprise de Cicéron, ils adorent certains animaux comme des dieux, ils s'interdisent de les tuer ou de les manger, alors que ce ne sont même pas des animaux utiles. C'est une civilisation qui se dit très ancienne, bien plus ancienne que les Grecs et les Romains. Ils se vantent même d'avoir inventé la peinture, le dessin et la médecine. Et pour preuve, ils possèdent des archives écrites qui remontent à plusieurs milliers d'années. L'écriture, c'est ce qui différencie les Égyptiens des autres. Les Égyptiens n'ont donc rien de barbare, si ce n'est l'image qu'aura Cléopâtre auprès des Romains pendant la guerre civile. Reine d'Égypte, elle est célèbre pour avoir été l'amante de César puis de Marc-Antoine. Octave, futur empereur romain, opposé à Marc-Antoine pendant la guerre civile, se servira de Cléopâtre pour dénigrer son rival politique. Il s'en prend à l'égyptienne, à l'étrangère, elle devient la séductrice qui a corrompu les valeurs traditionnelles romaines par la luxure et la débauche. Les auteurs romains de cette époque lui reprochent d'avoir déclenché la guerre civile. Finalement, les Égyptiens sont moins un peuple barbare que Cléopâtre n'est une barbare, parce qu'elle est l'ennemi public à Rome.